Bonjour à toutes, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien sur YouTube. Aujourd'hui dans les petits tutoriels, on va aller voir le EXVS. Le EXVS, très simple, petit mode Defender. Voilà, Dungeon Defender que vous avez dans le mode Trial toujours. Hop là, et qui se trouve à Icona EXVS. Voilà, c'est une sorte de tower défense. Le principe est simple, vous avez votre rang ici. Plus vous êtes élevé, plus vous avez de chances de récupérer de l'or, des pièces pour des flash échanges, voilà, c'est ici que vous les trouvez, et des cartes d'XP qui vaut 1000 d'XP. Voilà. Donc là, c'est vous en gagnez 8000 d'XP si vous êtes premier. Les rewards se font tous les jours, donc heure d'Hong Kong à partir de 21h, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, chez nous, c'est maintenant 7h de décalage, donc on est en heure d'hiver. Donc c'est à 14h que vous l'avez. Après, vous avez donc les règles. Donc du jeu, c'est très simple, vous faites une ligne. Quand on va vous attaquer, bah, le mec il va avoir cette ligne là. Arrive à un certain moment, il verra pas les deux autres lignes. Et le but du jeu, c'est de résister, sachant que c'est du combat automatique, donc c'est complètement aléatoire. C'est très très bien. Les records, c'est pour voir qui c'est qui vous attaque et qui c'est que vous avez attaqué. Voilà. Vous gagnez des places quand vous tuez des gens. Ou du moins, vous piquez sa place et lui il prend votre place, vous inversez. Et l'échange, c'est pour là, le flash échange directement pour aller dans le menu du flash échange pour flasher ses personnages et gagner 20% de puissance et d'attributs en plus. Voilà, qui seront bloqués. Quand vous faites ajuster, vous pouvez ajuster vos lignes. Voilà, vous les mettez dans l'ordre par exemple. Hein, voilà, admettons, voilà, moi je mets ça. Hein, voilà. Et si vous voulez que cette ligne là passe ici, vous avez juste à faire ça, perdu. C'est, vous avez juste à faire ça et ça vous l'échange automatiquement sans vous casser le cul à tout enlever et tout remettre à chaque fois. Voilà, donc quand vous faites fight, voilà, ici au passage vous avez les rewards que vous gagnerez à partir de 21h, heure donc. Quand vous faites fight, vous allez tomber sur des mecs. Moi ce que je vous conseille avant tout, c'est de regarder directement dans les rangs. C'est à dire votre place, par exemple là je suis 28ème, je veux aller en dessous de 28, donc je regarde tout ce qui est en dessous de 28 au niveau de la puissance à peu près par rapport à la mienne. Moi j'ai 450 000 de puissance. On va essayer de trouver un mec avec moins de puissance, genre J. Il est 26ème, il a 326 000 de puissance, donc on va lui casser la gueule. On peut aussi casser la gueule à EP Atom parce qu'il a 389 929 de puissance. Mais on va tuer J. Voilà, qui est dans mes amis, mais je vais le tuer pour lui piquer sa place. Donc là je suis 28ème. Voilà. J-Gray, on va essayer de le chercher, il est là, hein, si on le trouve pas, on a juste à rafraîche, hein, ça vous coûte 0 diamant, 0 sous, hein, ça vous coûte que dalle. Donc J-Gray, il est où maintenant? Voilà, il est de nouveau là, on va le tuer. Donc ça se procède comme ça. On va vérifier toujours si vous avez votre médaille ou pas, avant toute chose. Une fois que c'est fait, vous voyez que sa première ligne a 248 000 de puissance. Bon, il y a du grâce, du dragon et du water. Ça peut passer, j'ai 336 000 de puissance. Après, je suppose qu'il a mis sa meilleure ligne au milieu. Et ensuite, il a mis sa ligne la plus foireuse à la fin. Accessoirement, je vais faire comme ceci. C'est-à-dire, je vais foutre ma ligne un peu foireuse ici. Et l'autre ici. Il a du gras, c'est bon, je ne serai pas emmerdé. Et il doit peut-être avoir de la flotte en drague au feu. On verra bien. C'est parti. Une fois que c'est fait, vous faites fight. Et là, ça se lance automatiquement. Et vous allez avoir donc le combat automatique. Voilà. Donc avec votre puissance tout en haut, voilà, avec la vôtre et la sienne. Et là, en fait, le combat, c'est, ça se joue tout seul. Hein. Donc là, je vais me faire défoncer parce que voilà, il a un gras et mon Léviator que j'ai flashé, ou du moins que j'ai récupéré avec mon Mew, il va se faire démonter. Bon, accessoirement, il est complètement con l'ordinateur, voilà, la magie de l'ordinateur, qui m'attaque pas. Voilà, qui m'attaque, maintenant. Mais c'est pas grave. Alors j'ai de l'électrique et du gras en plus pour son Léviator, il va prendre assez cher maintenant. Si le grâce fait pas trop de bêtises, voilà, genre là il aurait pu le tuer le grâce. Bon, il est mort, il a perdu son radiateur. Je le congèle, je le freeze, ça se fait tout seul, c'est impeccable, on se sent bien. Il y a toujours la liste des passifs que vous avez là, quand vous avez des skills learn qui vous redonnent de la vie, qui vous redonnent du speed, qui vous donnent de l'attaque, etc. Après c'est fait, vous êtes toujours récapitulatif. Approprié! Et oui! Ah non, il avait sa 339 000 ici, donc du coup il a fait un. Il a partagé sa puissance. Par contre, c'est très bien qu'il ait son dragon feu ici, lui. Parce que comme ça, ça évitera de me le taper. Donc là, je vais mourir, hein, parce que là, j'ai une équipe vraiment pas terrible. Avec mon ectoplasma et mon aquaquac. Hein. Donc l'aquaquac qui a sur la ligne procutée, hein, parce que l'électrique. L'avantage de ce personnage, c'est qu'il a du feu, il a de la glace et il a de l'électricité. Voilà, le perso, il a toutes les attaques au monde. C'est juste énorme, hein, c'est épique, c'est génial, et je viens de mourir. Et le panneau d'information tout en haut quand il y a des gens qui font hop là de l'évolution.
Alors, et là, du coup, il a 220 000, j'ai 465 000, il va se faire couper en deux. Nickel. Hop là, un petit coup de ça, un petit coup de ça, un petit coup de ça. Là, je prends rien, j'ai mon bouclier. Niveau 1, certes, mais bouclier quand même. Voilà, mon fighting vient de lui casser. Hop là, ce personnage. Voilà, mon grand de l'attaque, mon dragon feu part en l'air, mon fighting lui casse la gueule. Et mon dragon feu ulti. Voilà, et là, il est mort. Quand vous avez grégé des places comme ça, vous gagnez des diamants. De toute façon, quand vous avez atteint un certain record. Si vous êtes 28e, vous passez 20e, vous aurez des diamants si vous n'avez jamais été 20e. Quand vous serez repassé 28e, vous soyez 25e. Là, par contre, vous n'aurez pas de diamants vu que vous avez déjà gagné ce qu'il y a en dessous. On gagne des sous, de l'XP. Très très bien. Alors, a priori, c'est pour la dernière ligne ou la ligne la plus forte, je crois, qu'on gagne de l'XP. J'ai pas bien compris le système. Et une fois que c'est fait, hop là, moi je suis passé 26e. Et si on regarde de nouveau dans les rangs, le 28e maintenant, c'est Jigray. Voilà. Et comme d'habitude, hein, les premiers, c'est toujours les épiques. Voilà. Donc pour le EXVS, tout ce qu'il y a à savoir, et quand vous voulez au passage réduire le cooldown, ça vous coûte 35 diamants pour l'instant. Et après, ça vous coûtera un peu plus de diamants. Voilà, parce que vous avez que 5 essais par jour. Donc moi, je vous conseille d'user 2 essais ou 3 essais début de journée quand vous levez. Et 1 à 2 essais avant le Monster Yacht. Comme ça, c'est pas le Monster Yacht, c'est le World Boss, l'heure du World Boss. C'était salade, c'est à 20h, heure Hong Kong. Donc c'est juste avant le World Boss. Donc avant le World Boss, 10 minutes avant le World Boss, vous faites de l'XVS pour grappiller des places. Parce que c'est, ils font comme ça les gens principalement. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et moi, vous pourrez me retrouver sur Facebook, Twitter ou sur Twitch pour de nouvelles aventures. Sur ce, bisous à tous et passez une bonne journée. Ciao, ciao.